Hello, oh my lovely goddess. Hello, my lovely bishop. Tell me, what's up? I hope you are all doing well. You do? I'm glad to hear it. Let me tell you something, I'm good too. Thank you for asking. If so, let me welcome you to this new episode. Let me tell you something again. Today episode gonna be spicy. Yeah, very spicy. Hello, hello, bonjour mes déchats. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous, déchats, c'est l'amour. Oui, toujours l'amour. La joie, toujours et toujours la joie et la bonne humeur. Vous savez aussi qu'ici, il n'y a pas seulement l'amour, la joie et la bonne humeur. Ici aussi, on se clash. Ici aussi, on passe par des moments super méga difficiles. Et quand cela nous arrive, on s'assoit, on discute entre nous, on se confie et tout va mieux. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Alors mes béchats, on se retrouve aujourd'hui pour un TCA True Crime Africain. Parce que la dernière vidéo sur la chaîne était un PPA, Phénomène Paranormal Africain bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler du plus gros psychopathe de l'Afrique du Sud. On va parler du plus gros meurtrier de l'Afrique du Sud. On va parler de ce gars-là qui s'appelle Moses Sithole. Laissez-moi vous dire que Moses Sithole a tué plus de 40 femmes, y compris un enfant. Et avant même de les tuer, il prenait le soin d'abuser sexuellement d'elles. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Don't worry, je vais vous spoiler avant qu'on entre dans le vif du sujet. Laissez-moi vous dire que ce gars-là voulait exterminer la gente féminine tout simplement parce que sa mère ne lui a pas donné l'amour qu'il lui fallait. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu l'amour maternel. C'est un truc de fou, n'est-ce pas? C'est un truc crazy, n'est-ce pas? Je vous assure que cette vidéo va énormément vous choquer. Le plus grand féminicide qu'a connu l'Afrique du Sud. Cette vidéo est en collaboration avec Nathalie Kat. Je vous assure que quand je prononce même son nom, j'ai des étoiles dans les yeux. C'est une fille vraiment adorable. J'adore son contenu. Elle le sait très très bien. Je peux aussi vous dire que c'est l'une des plus belle rencontre que j'ai fait en 2022. Et ceux-là qui vont passer par ici disent que oh Ibrahim, toi et tes amitiés, fuck you. YouTube, tu vas sincèrement m'excuser, mais je vous emmerde. Laissez-moi vous dire cela. De toutes les façons, on n'est pas là pour s'insulter. On est plutôt là pour l'amour, se partager de l'amour, la joie et la bonne humeur. Alors, vous vous asseyez confortablement, comme je l'ai tantôt dit, et je vous laisse Nathalie Kat se présenter et introduire la vidéo. Hey guys, et bonjour les péchats de Ibrahim. Je suis extrêmement contente d'être ici, donc merci infiniment à Ibrahim de me permettre d'être sur cette chaîne et de vous parler. D'ailleurs, je vois pas mal de beaux gosses. Oui, toi là, c'est à toi que je parle. Et c'est hyper sympathique ici, donc je pense bien que je vais rester quelques minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Kat, j'ai aussi une chaîne de True Crime et je présente chaque semaine une ADJ, affaire du jour. Et c'est vrai que les enquêtes, les cold cases et la justice, ça me passionne. Et c'est pour ça que j'ai une chaîne et que je suis en criminologie. J'adore sélectionner, tout comme Ibrahim, des affaires non connues dans le YouTube francophone et j'aime bien ajouter une dimension psychologique car c'est mes études en même temps et ça me passionne. Si par curiosité tu as envie de regarder un petit peu ce que je fais, la chaîne c'est Nathalie Kat ainsi que mon TikTok et mon Instagram. Voilà. Je dis ça, je dis rien, ça ne mange pas de pain. Et je suis bien contente d'avoir croisé la route d'Ibrahim car c'est quelqu'un de solaire, d'intelligent et qui est intéressé et passionné comme moi par les faits divers. Et devinez comment cette rencontre s'est faite? Eh bien c'était par le biais de commentaires sous mes vidéos qui nous comparaient tous les deux, donc je me suis dit que ça serait intéressant d'aller lui parler directement et j'ai découvert quelqu'un de très sympathique, donc merci beaucoup pour cette rencontre. J'ai été très contente de rencontrer au final un gars super sympa et talentueux. Donc abonnez-vous tout de suite à lui si cela n'est pas déjà fait. Je compte sur vous. Mais pour l'heure, place à l'histoire de Moses Sithole. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous installez confortablement. Vous prenez quelque chose de quoi boire et de quoi grignoter. Vous n'oubliez surtout pas le pouce bleu en l'air. Et là, on se met dans le mood de la story. Septembre 1995, nous sommes tout juste après la fin de l'apartheid et le président nouvellement élu Nelson Mandela annule un voyage à l'étranger afin de s'occuper d'une situation
extrême dans son pays. Accompagné de certains membres de son gouvernement, il se rend à Boksburg, une ville minière d'Afrique du Sud, située dans la province de Gauteng, afin de visiter une horrible scène de crime et de rendre hommage aux victimes. Sur place, il va donner une conférence de presse et va exhorter les habitants de la ville à collaborer avec les autorités afin d'identifier un tueur qui, depuis plus d'un an, terrorise les mères de famille, les jeunes filles et tout le monde, en fait, en Afrique du Sud. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le tueur sème la terreur dans la province de Gauteng. Il est surnommé le ABC Killer, tout simplement parce qu'il a commencé à tuer à Atteridgeville, une ville de la province de Gauteng. Puis à Boksburg, pour terminer à Cleveland, une banlieue de Gauteng. À ce moment-là, les autorités ne le savent pas encore, mais ils vont mettre la main sur un des pires tueurs en série que l'Afrique du Sud n'ait connu. Moses Sithole, 40 meurtres, 38... et 6 vols. Putain, ça fait beaucoup là. Moses Sithole se trouve être le quatrième enfant de Simon et Sophie Tangowera. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Tangowera Sithole. Il est né le 17 novembre 1964. Pour ceux que ça intéresse, c'est un scorpion. Alors, encore une fois, désolé d'assassiner les noms des villes. Près de Boksburg, une ville où il tuera, comme on l'a dit au départ, dans la province de l'apartheid du Transvaal, aujourd'hui appelée Gauteng en Afrique du Sud. Alors il faut savoir que lorsqu'il naît, en 1964, le gouvernement est très dur pour les Noirs sud-africains, car il y a l'apartheid qui les frappe, et ils sont isolés du reste de la population. Donc c'est dans ce contexte de ségrégation que le petit Moses va commencer sa vie. Et comme beaucoup de tueurs en série, l'enfance de Moses Sithole va être très difficile. Il ne va pas naître la cuillère en argent dans la bouche, hein. Il ne va pas être pourri gâté, bien au contraire. Niveau personnalité, ça va être un petit garçon brillant et curieux, mais la vie n'a pas toujours été douce pour lui. Elle a plutôt été amère. Pour commencer, il n'a jamais pu aller à l'école, malgré son intelligence, et la vie dans une maison à toit de tôle est très compliquée. Il est maltraité par sa mère qui, selon lui, était une alcoolique, et il fut enfant à l'âge de 5 ans par sa belle-sœur, donc c'est absolument horrible. Son père, qui prenait toute la maison et toute la famille en charge, décède. Après sa mort, vu qu'il n'y a plus aucune source financière, toute la famille est expulsée de la maison. Sophie va alors abandonner ses 6 enfants au commissariat de police parce qu'elle ne peut plus subvenir à leurs besoins, tout en demandant, ou plutôt en menaçant les policiers de ne jamais révéler son identité. Comme ça, ses enfants ne pourraient plus la retrouver. Et évidemment, le petit Moses a, à cette époque-là, 5 ans, donc ça va être très compliqué pour lui. Les enfants vont alors être placés dans un orphelinat de Benoni, mais les abus répétés aux enfants vont pousser Sithole à s'enfuir de l'orphelinat au bout de 3 ans. Donc si vous faites le calcul, il avait alors 8 ans lorsqu'il s'échappe définitivement de l'orphelinat. Et son but était clair, il voulait retrouver sa mère, et pour ce faire, il va traverser les bidonvilles. Et dans sa tête, elle était revenue à de meilleurs sentiments envers ses enfants. Mais Sophie est catégorique, elle veut refaire sa vie, et ses enfants sont un poids. Les retrouvailles vont donc être amères, car oui, Sithole, du haut de ses 8 ans, va retrouver sa mère, mais qui ne veut pas de lui, et qui va le renvoyer à l'orphelinat, malheureusement, où il va subir des abus supplémentaires. Et à ce moment-là, la douleur va être son pain quotidien. Il maudit littéralement sa mère à chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque semaine. Il développe une haine incommensurable envers sa mère à chaque moment qu'il passait à l'orphelinat. Cette mère indigne qu'il avait abandonné. Et à 2 reprises. Il se sentait si impuissant et en manque de contrôle sur sa propre vie qu'il devient obsédé par le fait d'avoir du contrôle et du pouvoir. À 11 ans, il est transféré dans un autre orphelinat au KwaZulu-Natal. Au début de l'adolescence, comme on peut s'y attendre, il va de nouveau s'enfuir de l'orphelinat. Mais cette fois-ci, il n'est pas question d'y retourner. Et pour ce faire, il va éviter à tout prix de croiser sa mère qui le renverrait illico dans son orphelinat. Il va donc faire 300 mètres en autostop pour retourner à Vosloorus. Là-bas, il va rester avec son grand frère Patrick, qui va l'accueillir à bras ouverts et qui a son propre appartement. Cependant, afin de manger et de subsister, il va devoir travailler et dur dans des mines et des petits boulots, dans des fermes et des mines d'or dans les environs de Johannesburg. À ses heures creuses, il se lance à la recherche de jeunes fugueurs pour les ramener chez leurs parents. Et avec le peu d'argent qu'il gagnait, il aidait des enfants abandonnés dans la rue à leur triste sort. Donc on voit quand même un petit peu d'empathie chez Moses au début de sa vie néanmoins.
My dear lovely Bécha, can I tell you something? Laissez-moi vous dire qu'en grandissant, Moses Sidole est devenu très populaire auprès des femmes pour son sourire et son charme désarmant. Je peux vous assurer que lorsque Moses Sidole souriait, le cœur des femmes fondait comme de la glace. Le cœur des femmes fondait comme du caramel, comme du beurre de karité. C'était un truc de fou. En plus de cela, on va pas se mentir, Moses Sidole était beau. Ne vous pressez pas encore, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire était. Laissez-moi aussi rajouter que c'était un homme très intelligent qui savait très bien parler aux gens. Il savait surtout parler aux femmes. C'était sa chose à lui. Vous savez, chacun est fort dans son domaine. Moses Sidole était fort dans le parler. Moses Sidole était fort dans le draguer de femmes. Mais son comportement amical cachait une vision déformée de la réalité. Son comportement amical cachait surtout une vision déformée de la femme. Il était prompt à se mettre dans une colère noire au moins de rejet d'une femme. S'il s'approchait auprès d'une femme et qu'il lui faisait son charme, qu'il lui affichait son sourire désarmant et qu'elle ne fondait pas, que son cœur ne fondait pas comme de la glace, comme du beurre de cacao, comme du beurre de karité, comme du caramel, Moses Sidole se mettait dans une colère noire. Il pouvait même aller jusqu'à frapper cette femme juste parce qu'elle a dit non. Pire encore, il pouvait jusqu'à aller la tuer tout simplement parce qu'elle a dit non. On ne va pas seulement parler de son charme tout au long de la vidéo. On ne va pas seulement parler de son sourire tout au long de la vidéo. On va passer aux choses sérieuses. Laissez-moi vous dire que toutes les séries de crimes mineurs que je vais vous énumérer dans cette partie se sont produites à Cleveland. Je voulais plutôt dire à Johannesburg, dans le canton de Cleveland. La toute première fois où Moses Sidole a agi sur ses pulsions était le 14 septembre 1997, quand il s'est attaqué à la sœur de sa petite amie Patricia Kumalo, 29 ans. Vous voulez savoir ce qu'il a fait à la sœur de sa petite amie? Il l'a attiré à la décharge de la mine de Cleveland où il a abusé sexuellement d'elle. Clairement, pour moi, Moses Sidole avait un problème. Si ça ne va plus avec ta petite amie et que tu as flashé sur sa sœur, asseyez-vous, discutez comme des grandes personnes. Maintenant, va auprès de ta belle-sœur et dis-lui, ma sœur, où tu vois là, je suis amoureux de toi, on fait comment? Au lieu de la tirer dans une décharge où tu vas abuser sexuellement d'elle. C'est vraiment tordu, Moses Sidole. Maintenant, tu fais, je t'appelle Moses Sidole. Pourtant, c'est Moses Sidole. C'est tout simplement parce que je suis dépassé par ton comportement. Laissez-moi maintenant vous dire qu'après avoir abusé d'elle, qu'après avoir pris sa virginité, Ibrahim, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que c'est Moses Sidole qui a pris sa virginité? Très sincèrement, je ne peux du tout pas confirmer cette information-là. Mais de toutes les façons, après avoir abusé d'elle, Moses Sidole est parti laissant la sœur de sa petite amie à la décharge, attachée avec ses vêtements jetés sur son visage. Oh my lovely goodness, attendez un instant, est-ce que j'ai dit jeté? C'est plutôt jeté. Vous allez sincèrement m'excuser pour cela. Je peux vous dire que la chance était du côté de Kumalo. Ou bien je vais plutôt dire Dieu était de son côté. Parce que par sa grâce, elle a pu s'échapper. Mais craignant pour sa vie, elle n'est jamais allée voir la police. Parce qu'elle connaissait très bien Moses Sidole. Et avant même de s'en aller, il lui avait dit, si tu tentes d'aller voir la police, je vais te faire la peau. Et non seulement je vais te faire la peau, mais je vais aussi faire la peau à ta sœur et à toute ta famille. Voilà pourquoi Kumalo, après ça, est restée dans son coin. Elle ne l'a dit à personne, encore moins à la police, parce qu'elle savait très bien de quoi était capable Moses Sidole. C'était un garçon qui ne blaguait pas. Comme je l'ai tantôt dit, au moindre non, au moindre rejet, il pouvait te taper sauvagement. Après t'avoir correctement tapé, il abusait de toi. Et si Dieu n'est pas à tes côtés à ce moment-là, il te tue. Ça lui coûte quoi? Rien du tout. Il a une haine profonde pour les femmes. Donc te tuer et t'abandonner là ne le coûte rien du tout. Ta vie n'a du tout pas de valeur pour lui. Voilà pourquoi j'ai dit que Kumalo a eu beaucoup de chance. Laissez-moi maintenant vous dire que ce premier crime-là a établi un plan qui devait être de plus en plus violent. Et pas seulement violent, cela va devenir très complexe au cours des 8 années qui vont suivre. Parce que oui, Moses Sidole a agi sur 8 années. Pendant 8 ans, il a abusé des femmes. Moses Sidole était dérangé dans sa tête. Vraiment dérangé. Laissez-moi vous dire que l'année qui a suivi, c'est-à-dire 1988. Au bon milieu de ses crimes, Moses Sidole a commencé une idylle avec Sibongile. Sibongile Kossi, une mineure de 17 ans. Pour nous, c'est choquant. Nous qui avons pris l'avion par le passé, nous qui avons beaucoup étudié. Je le dis parce que le détournement de mineurs n'est du tout pas puni en Afrique. Simple exemple, allez à Fumban, vous allez voir comment est-ce qu'on épouse des mineurs. Des papas qui épousent des mineurs et ça ne va nulle part. Vous allez même voir les policiers venir même surveiller, venir mettre de l'ordre. Les
deux à ce moment-là vivaient à Soweto. Et je peux aussi vous dire que pendant toute la relation avec Sibongile Kosi, 17 ans, Moses Sithole l'a maltraité jusqu'à la fin de la relation. Moses Sithole a abusé d'elle jusqu'à la fin de la relation. Je vous ai dit qu'avec lui, on ne dit du tout pas non. Je vous ai dit qu'avec lui, c'est soit oui ou oui. Soit vous dites oui, soit vous dites oui. Si vous osez dire non, vous avez creusé votre propre tombe. Gare à toi, si Moses Sithole se place devant toi, il te dit baisse ta culotte, tu dis non. Non seulement il va baisser ta culotte avec force. Après ça, il va te bastonner comme jamais. Et après t'avoir bastonné, il te tue. Bien évidemment, ne pouvant plus supporter cette maltraitance-là, Sibongile Kosi a tout simplement mis fin à la relation. Oui, c'est elle qui a mis fin à la relation. Je ne sais pas où elle a ramassé son courage. Peu importe où elle a ramassé ce courage-là, moi, Ibrahim Larson, je félicite ce courage. Nous sommes maintenant le 28 septembre 1988. Moses Sithole va traquer et abuser sexuellement Dorcas Kedibone Kobane, 26 ans. Un mois seulement après, Moses Sithole va traquer, abuser et étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance Lindiwe Kosi, 15 ans. Est-ce que Kosi vous dit quelque chose? Oui, vous avez très vite compris. Lindiwe Kosi n'est autre que la petite sœur de Sibongile Kosi, la vengeance de Moses Sithole. C'est-à-dire que puisque tu as pris ton courage pour me dire non, je vais nuire à ta famille. Et je vais commencer par ta petite sœur pour que ça puisse bien te faire mal. Un sadique tapeur. Comme vous avez compris, c'était pour lui en quelque sorte sa vengeance. Il voulait se venger de Sibongile Kosi. Il n'avait du tout pas digéré la rupture. Surtout que c'est elle qui avait pris l'initiative de rompre avec lui. Si c'était encore lui, ça pouvait passer. Mais qui es-tu? Toi, une femme, tu lui dis non? Pourtant, il a une haine contre vous? Mais où est-ce que tu as ramassé ton courage, Sibongile Kosi? Je suis sincèrement désolé pour ta petite sœur. Février 1989, il va faire la même chose à Doris Wakamisa et va la menacer avec un panga. Il va lui dire, si tu tentes de le dire à qui que ce soit, encore plus à la police, ma chère petite amie, tu n'es même pas ma petite amie. J'étais draguée, tu as dit non, j'ai abusé de toi. Si tu tentes de faire sortir cette histoire, je viens avec ce panga. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le panga, c'est une machette. Tu vois ce panga, je vais te découper avec morceau par morceau. Tu ne vas rien comprendre. Est-ce que je me suis fait comprendre, Wakamisa? Bien évidemment, Wakamisa a bien retenu la leçon. Elle ne doit surtout pas le dire à qui que ce soit. Elle doit garder cela pour elle. Elle doit souffrir en silence. Son bourreau le lui a demandé. Voilà que quelques mois, elle va commencer un nouveau travail. Et à la sortie de ce nouveau travail-là, imaginez qui l'attend devant le lieu de son service. Moses Sithole, bien sûr. On aurait dit qu'il était là pour achever ce qu'il avait commencé. On aurait dit qu'il était là pour la découper comme il avait dit. Bien évidemment, elle a pris peur et elle a appelé la police. Et voilà que quelques instants après, la police est arrivée sur les lieux. Lorsque la police arrive sur les lieux, Wakamisa va leur raconter ce qui se passe et ce qui s'est passé dans le passé. Et voilà maintenant que dans un geste peu professionnel, la police va prendre Wakamisa et Moses Sithole et va les mettre dans la même voiture. C'est-à-dire que la police va prendre l'abuseur et l'abusé et foutre dans le même coffre. Imaginez un peu comment Moses Sithole a traumatisé Wakamisa jusqu'au poste de police. Je vous assure que si les policiers n'étaient pas présents dans ce véhicule-là, Moses Sithole serait passé à l'acte. Moses Sithole aurait étranglé de ses propres mains Wakamisa. Je le dis parce que sur la route jusqu'au poste de police, jusqu'au commissariat, Moses Sithole a passé son temps à maudire Wakamisa et à lui dire « Si je sors d'ici, tu vas écoper. Si je sors de cette prison, parce que oui, je sais très bien qu'on va me déférer. Wallahi billahi Wakamisa, je vais te chercher. Et le sang va couler. Pas seulement ton sang, ma chérie, je suis désolée pour toi. Le sang de ta famille va couler. Et maintenant, pour traumatiser Wakamisa, parce qu'il ne l'avait pas encore bien traumatisé, il va lui dire qu'il aurait dû l'étrangler, qu'il aurait dû la tuer quand il en avait eu l'occasion. Quand il a eu l'occasion tout autant pour moi. Mais lâche qu'il est. Pendant le procès, il va changer de bouche. Pendant le procès, il va dire qu'il n'a jamais abusé sexuellement de Wakamisa. Pendant le procès, il va dire qu'il n'a jamais menacé Wakamisa, qu'il ne l'a jamais même vu de ses propres yeux. Mais le mal était déjà fait. Il a menacé Wakamisa devant les enquêteurs, devant les policiers. Alors il sera reconnu coupable d'abus sexuels et condamné à 6 ans de prison ferme. Les
Laissez-moi vous dire quelque chose, mes bichas. Vous savez, nous avons tous droit à l'amour. Tout autant que nous soyons, nous avons tous droit à l'amour. Nous avons quelqu'un quelque part qui va nous aimer. Dieu a utilisé à tout un chacun de nous une coach pour créer une personne qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Tout ceci pour vous dire que alors que Moses Sittol est encore incarcéré à la prison de Bosberg, il va rencontrer l'amour. Il va rencontrer une femme nommée Martha Enslovo qui venait tout le temps à la prison de Bosberg rendre visite à son neveu. Laissez-moi vous dire que ça sera l'amour fou. Voilà ce que Martha a dit lors du procès de 1996. Il a commencé à m'écrire des lettres. Au début, je n'ai pas répondu. Mais après un certain temps, j'ai accepté. J'ai donc commencé à lui rendre régulièrement visite et ce jusqu'à sa libération conditionnelle en novembre 1993. Et ce pour bonne conduite. Pas de commentaires s'il vous plaît. Comme je l'ai tantôt dit, nous avons tous droit à l'amour. Que tu sois un criminel, que tu sois un voleur, que tu sois quoi que ce soit, on a tous droit à l'amour. Et surtout, n'oublions pas l'adage, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Le cœur de Moses Sittole a battu pour Martha. En retour, le cœur de Martha a battu pour Moses Sittole. Qui sommes-nous pour dire Qui sommes-nous pour dire à Martha, il a abusé d'une femme pour être où il est. Laissons le karma se charger de Moses Sittole. Laissez-moi maintenant vous dire qu'en prison de Bosberg, Moses Sittole a été réduit à rien du tout. Le grand et tout puissant Moses Sittole a été réduit à néant. Il était constamment molesté par ses co-détenus. Il était aussi abusé sexuellement par ses co-détenus. L'abuseur abusé. Comme quoi chacun a son tour chez le coiffeur. Qui a tué par l'épée mourra forcément par l'épée. Tu as abusé d'une femme pour être où tu es, n'est-ce pas? Alors laisse-nous te montrer comment est-ce que ça fait quand on abuse de quelqu'un. Laisse-nous te montrer comment ça fait quand on pique ça derrière. Je peux vous assurer qu'il a vraiment souffert. Et ce, jusqu'à ce qu'il soit libéré sous caution et pour bonne conduite. Je voulais plutôt dire simplement pour bonne conduite. Je ne sais pas où j'ai ramassé sous caution. De toutes les façons, lorsqu'il a été libéré, il a directement emménagé avec Martha à Sochangouvé. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de la ville. Et la ville est située à quelques distances de Pretoria North, au nord de Pretoria. Laissez-moi vous dire que ça ne va du tout pas tarder et voilà que Martha va tomber enceinte de Moses Sittole. Oh my lovely goodness, la bonne nouvelle. Mais seulement la maison n'est pas assez grande pour accueillir un enfant. Voilà comment Martha va déménager chez ses parents. Elle va aller vivre avec ses parents à Atterridgeville. Et voilà que quelques mois après, Moses Sittole va la suivre. Laissez-moi vous dire que plusieurs mois après sa sortie de prison pour bonne conduite, Moses Sittole a décidé de changer radicalement. Bon, c'était ce que je me disais en fait. Laissez-moi vous dire qu'il a décidé de fonder une organisation caritative. Belle initiative, n'est-ce pas? Franchement, l'abuseur qui a la main sur le cœur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. On le voit souvent rarement. Laissez-moi vous donner le nom de l'association caritative. Youth Against Human Abuse. Je sais aussi pertinemment que nous ne sommes pas tous anglophones. Alors en français, cela veut dire ceci. La jeunesse contre les abus des humains. C'est vraiment touchant, n'est-ce pas? Oh my lovely goodness. Moses Sittole a décidé de faire quelque chose pour la jeunesse. Moses Sittole a décidé de donner sa voix pour la jeunesse. Et il décide, s'il vous plaît, de défendre les femmes et les enfants contre les abus sexuels. Très franchement, on doit applaudir son initiative. Très franchement, on doit applaudir Moses Sittole. Mais je vais vous demander de ne pas le faire. Parce que ce qui va suivre va tellement vous choquer. Si on s'était arrêté là, on aurait dit franchement, une personne qui sort de prison et qui prend conscience de son acte, qui prend conscience de son erreur, qui prend conscience de ce qui l'a emmené en prison. Vous pensez sincèrement que c'est tout? Bien sûr que non. Moses Sittole va crédibiliser son organisation caritative avec l'aide d'une dactylo. Oh my lovely goodness, j'ai enfin bien prononcé. Je vous assure que ce nom m'a menacé comme pas possible, comme jamais. Je disais donc tantôt, avec l'aide d'une dactylo à son travail de laveur de voiture, Moses Sittole a rédigé des formulaires d'apparence officielle pour signaler les abus sur les enfants et les femmes. Comme je l'ai tantôt dit, Moses Sittole a donné sa voix pour une bonne cause. On ne peut que l'applaudir. Et désormais, tout le monde à Atterridgeville et même dans son ancienne ville l'applaudit. Après avoir rédigé les formulaires d'apparence officielle. Oui, j'insiste sur le mot d'apparence officielle. Après maintenant les avoir rédigés, il les a distribués dans des écoles et dans des centres communautaires. Moses Sittole n'était plus là pour blaguer. Il était là pour passer à l'attaque. Il était là pour mettre la main sur l'abcès et le crever. Laissez-moi
Laissez-moi vous dire qu'il ne s'est du tout pas arrêté seulement à cela. Il ne s'est du tout pas arrêté à rédiger des formulaires qu'il a ensuite distribués dans des écoles et des centres communautaires. Il est vraiment allé bien loin. Il a organisé des réunions dans une école locale. Il a aussi offert son aide. Il a aussi offert son soutien à des organisations de lutte contre les violences domestiques. Et il a aussi continué à aider les errants et les fugueurs des alentours de Johannesburg à rentrer chez eux. Laissez-moi maintenant mettre le point sur le i. Laissez-moi maintenant mettre la base sur le T. Le I qui va faire l'histoire. Le T qui fera l'histoire. Laissez-moi vous dire que dans sa communauté, Moses Sithole était considéré comme le leader communautaire parfait. Le leader communautaire par excellence. Est-ce que j'ai bien articulé mes béchats? Si c'est le cas, bravo pour moi. Si c'est pas le cas, vous allez sincèrement m'excuser. Je vous ai tantôt dit, si on s'était arrêté là, ça aurait pu être une belle fin pour Moses Sithole, n'est-ce pas? Vous connaissez aussi l'adage, chasser le naturel, il revient toujours au galop, n'est-ce pas? Laissez-moi maintenant vous dire que grâce à cette association caritative, Moses Sithole a attiré plus d'une victime. Nous sommes le 16 juillet 1994. Martha est enceinte de seulement 5 mois. Moses Sithole va attirer dans son piège Marina Munene Munama. Vous voulez savoir comment est-ce qu'il a fait pour l'attirer dans son filet? Son appât, comme avec les autres meurtres qui vont suivre, était un travail de bureau dans sa fondation Youth Against Human Abuse. Quand il t'approchait, il te disait, est-ce que tu veux travailler dans mon association? Est-ce que tu as envie de travailler dans mon organisation caritative? En fait, dans mon organisation caritative, on lutte contre les violences domestiques. On lutte contre les abus sexuels faits sur les femmes et même sur les enfants. Et dès que toutes ces femmes entendaient cela, elles le voulaient bien sûr. Elles voulaient aussi apporter leur voix. Parce que oui, en ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abus sur les femmes. Il y avait aussi beaucoup et énormément de féminicides. Sans oublier que l'Afrique du Sud a eu un passé très très difficile. Un passé où les femmes n'étaient du tout pas respectées. Un passé où les femmes étaient tuées comme des poulets. Un passé où les femmes étaient abusées sexuellement comme des poulets. Laissez-moi maintenant briser vos rêves. Laissez-moi vous dire que Youth Against Human Abuse n'existait pas. Voilà pourquoi je vous ai dit des formulaires d'apparence officielle. L'organisation caritative n'a jamais, je dis bien, jamais existé. C'était un appât pour lui. C'était un plan pour attirer des victimes dans son piège. C'est un coup dur pour vous, n'est-ce pas? Énorme déception pour vous, n'est-ce pas? Tellement je vous comprends. J'ai moi aussi été déçu lorsque j'ai appris que Youth Against Human Abuse n'existait pas. J'étais choqué. Après, je me suis dit, ouais, ça se comprend en fait. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, même pas devant son maître. Laissez-moi maintenant vous choquer. Laissez-moi vous dire qu'après avoir abusé sexuellement et étranglé mon âme de ses propres mains, Moses Sithole a écrit 3 messages sur sa peau. C'est une PUTE. Je ne veux pas me battre avec vous, s'il vous plaît. Tant que tu ne comprendra pas. Nous allons rester ici aussi longtemps qu'il le faudra. Vous voulez maintenant savoir pour qui étaient destinés ces messages? On pense tout simplement que ces messages étaient destinés à la police. Et à chaque fois qu'il tuait une personne, à chaque fois qu'il passait à l'acte, il s'imaginait. Moses s'imaginait qu'il était en train de se venger de Swakamissa pour l'avoir dénoncé à la police, pour l'avoir dénoncé pour abus sexuels. Accusation qu'il a envoyée en prison. Prison où il a été aussi abusé sexuellement. Il s'imaginait aussi en train de se venger de sa mère qui n'a jamais, mais je dis bien jamais voulu d'eux. Pas seulement de Swakamissa et de sa mère. Il en voulait aussi énormément à son père. Il en voulait à son père d'avoir clamsé prématurément. Nous sommes maintenant le 6 août 1994 à Cleveland, c'est-à-dire un mois après le meurtre de Monama. Cette fois-ci, ce sera le corps d'Amanda Kebofil Tete, 26 ans et maîtresse de Sithole qui sera retrouvée. Et comme par hasard, en décembre de la même année, un autre homme va se faire arrêter. Un autre homme sera mis aux arrêts après qu'il ait été filmé par la caméra de vidéosurveillance d'un distributeur automatique et se retirant de l'argent avec la carte de crédit de Tete. Il s'agit de David Selepe. David Selepe est originaire de Johannesburg. Qu'est-ce qui le lie à Tete? Personne ne le sait. Quel est son lien avec Tete? Jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas été déterminé. Plus besoin de vous faire un dessin. Plus besoin de vous dire qu'il a été accusé pour le meurtre de Tete. Et pas seulement pour le meurtre de Tete. Il était également
également le suspect principal dans les meurtres de plus de 11 femmes dans la région, c'est-à-dire dans la région de Cleveland. J'espère que je ne sors pas trop les yeux sur vous, mes bichas. Je ne veux du tout pas vous intimider. Oh. Revenons sur les 11 femmes. Oui, j'ai bel et bien dit 11 femmes en fait. Les enquêteurs ont estimé le nombre de ces victimes à 11 femmes tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de l'interroger. Ce qui veut bien évidemment dire que David Selepe était aussi un meurtrier. Mais nous ne sommes pas là pour parler de lui. Nous sommes là pour parler de son grand frère Moses Sitole. Parce que lui, il a tué plus de 40 femmes, y compris un enfant. C'est bien plus grave, n'est-ce pas? Vous voulez maintenant savoir pourquoi la police n'a jamais eu l'occasion de l'interroger? Pourquoi est-ce que la police n'a jamais eu l'occasion de connaître le nombre exact de ses victimes, des victimes de David Selepe? Ne vous inquiétez pas, asseyez-vous confortablement pour que je puisse vous donner la raison. Si vous êtes bien assis, si vous êtes bien accroché, je vous donne la raison. La police n'a jamais eu l'occasion d'interroger David Selepe pour connaître le nombre exact de ses victimes, tout simplement parce que la semaine qui a suivi, les journaux et les médias sud-africains avaient pour gros titre le suspect dans les meurtres en série tué par la police. D'après la police, alors que David Selepe la conduisait où Amanda Tété avait été retrouvée morte, il a attrapé une branche d'arbre sur le sol et a frappé un inspecteur avec. Et pas n'importe laquelle des branches, s'il vous plaît. Un très gros morceau de bois. Et lorsque l'inspecteur est tombé au sol, David Selepe a de nouveau soulevé le morceau de bois pour l'achever. Mais par grâce pour l'inspecteur et par malheur pour Selepe. L'autre officier qui était avec eux ce jour a sorti son arme et a tiré une balle dans la tête de Selepe. Balle qui va le tuer mais pas sur le coup. David Selepe va succomber à ses blessures une fois arrivé à l'hôpital. C'est vraiment triste pour David Selepe, n'est-ce pas? Mais personnellement, je ne peux du tout pas lui dire repose en paix, même si nous avons tous droit à une deuxième chance. Et qui suis-je même pour lui dire repose en paix? Seul Dieu qui est là-haut va le juger. Nous sommes maintenant le 19 août 1994 à Pretoria West, à l'ouest de Pretoria, c'est-à-dire 13 jours après le meurtre d'Amanda Kebofil Tété. Voilà maintenant que la police va retrouver le corps de Joyce Takane Mashabela, 32 ans. Nous sommes maintenant le 7 septembre 1994 à Cleveland. Oui, on retourne encore à Cleveland. La police va cette fois-ci retrouver le corps de Refilo Amanda Mokale, 24. Et une semaine après, c'est-à-dire le 15 septembre de la même année, la police va encore retrouver un autre corps. Toujours le corps d'une femme. Elle est âgée seulement de 22 ans et elle s'appelle Rose. Rose Rebotile Mogotsi. Comme tout bon tueur en série, Moses Sitole va prendre un tout petit temps de repos. Nous sommes maintenant le 5 décembre 1994. C'est-à-dire qu'il s'est reposé en octobre, qu'il s'est reposé en novembre et le service reprend le 5 décembre 1994. Deux mois de repos pour un meurtrier, pour un tueur en série, c'est énorme. Il faut qu'il reprenne du service. Comment est-ce qu'il va faire pour payer sa maison s'il ne tue pas? Comment est-ce qu'il va faire pour payer ses factures s'il ne tue pas? Je pense que je me suis un tout petit peu trop emballé. Moses Sitole n'a du tout pas repris le service le 5 décembre 1994. Il a plutôt reçu une très très bonne nouvelle parce que ce jour-là, Martha va donner naissance à une belle petite fille. La petite fille sera appelée Bridget. Cet enfant va occuper Moses Sitole jusqu'en février 1995. Je dirais aussi que c'était une bénédiction pour les habitants d'Atterridgeville, de Cleveland et de Bosburg. Parce que grâce à elle, grâce à Bridget, Moses Sitole a pris presque une année sabbatique. Même si nous savons très bien que cela n'a pas fait un an. Il s'est juste reposé en octobre, en novembre, en décembre, en janvier. Et voilà qu'en février, il a repris le service. Il s'est juste reposé 5 mois. Est-ce que ça atteint même 5 mois? Non. Ça n'atteint du tout pas 5 mois. Il s'est juste reposé 4 mois. Et comme je l'ai tantôt dit, les 4 mois étaient énormes pour lui. C'était comme un calvaire pour lui en fait. C'était comme s'il revivait ses moments de prison. Comment ça est-ce que Bridget l'a privé de 4 mois de service? Entre temps, elle mange quoi? Entre temps, il paye les factures avec quoi? Entre temps, il paye la maison avec quoi? Puisqu'il n'a pas tué depuis 4 mois. Pour ceux qui ne comprennent pas du tout, c'est de l'autodérision. Je pense que je me suis encore emballé. Et ce parce que je veux voir tellement Moses Sitole les tuer à nouveau. Est-ce que cela ne fait pas de moi un psycho?
J'espère bien que je ne suis pas un psycho. Je suis même incapable de tuer une mouche. Comment est-ce que je serai un psycho? Non, je ne suis pas un psycho. Ibrahim, arrête s'il te plaît de te disperser et reviens à tes moutons égarés. Oui, j'ai appris récemment que l'expression « revenons à nos moutons » n'existe pas. En février 1995, Moses Sitoleva finalement doté Martha parce qu'il se sent bien avec elle. En plus de cela, elle lui a donné une magnifique petite fille, Bridget. Bridget fait son bonheur. Mais seulement, c'était trop beau pour être vrai. Quelques mois seulement après la dot, Martha va jeter Moses Sitole comme une chaussette. Elle n'arrivait du tout plus à le contenir. Elle n'arrivait du tout plus à gérer ses sauts d'humeur. C'était devenu infernal de vivre avec Moses Sitole. Et voilà que désormais, après la séparation, Moses Sitole est devenu sans abri et dormait désormais dans les gares. Vous allez me demander comment est-ce que ça se fait que c'est Martha qui le jette de la maison. Pourtant, nous savons très bien qu'en Afrique, c'est le contraire qui se fait. Tout simplement parce que Moses Sitole était un fainéant. Il n'avait pas d'argent pour louer une maison ou vivre avec sa femme Martha et son enfant. Il vivait plutôt chez ses beaux-parents. Une fois que Moses Sitole est devenu sans abri, de plus en plus de femmes ont commencé à disparaître. De plus en plus de femmes ont commencé à se faire tuer. Et je vous assure, à un rythme exponentiel, à un rythme croissant à Pretoria et principalement dans la région d'Atterrichville et à Bosberg, et toujours non loin de la voie ferrée parce qu'il vivait désormais dans les gares. Le mardi 3 janvier 1995, le corps d'une femme à moitié nue et en état de décomposition avancée est retrouvé. Et tout portait à croire qu'elle avait été assassinée le mois précédent, c'est-à-dire septembre 1994. Et malheureusement, elle ne sera jamais identifiée. Un deuxième corps a été retrouvé le 9 février et la femme était complètement nue, mais ses vêtements avaient été placés sur sa poitrine et remplis de pierres. Ses empreintes digitales ont ensuite été utilisées pour confirmer son identité et il s'agissait de Beauty Nuku Soko, 27 ans. Elle avait disparu en janvier alors qu'elle se rendait chez sa sœur à Klipgat. Le matin du 6 mars, c'est l'horreur. Des ouvriers du bâtiment creusant un fossé à Atterrichville ont vu les seins d'une femme dépasser de la terre. Il s'agissait de Sarah Matlakala Mokono, 25 ans, qui avait disparu 3 jours plus tôt alors qu'elle se rendait à un rendez-vous avec quelqu'un qui lui avait promis du travail. Le 12 avril, un autre corps a été découvert à Atterrichville. Les mains de cette femme avaient été attachées derrière son dos avec son soutien-gorge. Elle avait été étranglée avec une ligature. Parmi ses vêtements retrouvés dans les environs, un élément manquait, sa culotte. Elle a ensuite été identifiée comme Leta Nontandazo Nlangamandla, 25 ans. Le lendemain, le corps d'un garçon a été découvert près de l'endroit où Leta Nlangamandla avait été retrouvé. On a appris plus tard que le garçon s'appelait Sibusiso Nontandazo Nlangamandla, qu'il était le fils de 2 ans de Leta. En fait, Leta était parti rencontrer un homme à Pretoria North au sujet d'une offre d'emploi. Encore une fois. Et n'ayant personne avec qui laisser son fils, elle n'a eu aucun autre choix que de l'emmener avec elle. Le pathologiste n'a pas été en mesure de déterminer comment Sibusiso était mort, bien qu'il ait été blessé à la tête. La police a supposé qu'il avait été laissé en vie et qu'effrayé à l'idée de quitter le corps de sa mère, il était resté auprès d'elle jusqu'à ce qu'il succombe à son tour. C'est horrible. Imaginez-vous ce petit garçon de 2 ans avec une blessure à la tête, demandant en vain à sa mère de se lever pour qu'il rentre à la maison. Et qui finit par mourir de famine, là, de soif et de froid. Ces découvertes ont déclenché une vague d'intérêt de la part de la presse sud-africaine qui était plus préoccupée par des histoires de crimes contre la communauté blanche plutôt que contre les résidents invisibles des cantons noirs. Chose qui s'explique. Le pays sortait à peine de l'apartheid et on sait combien cette période a été difficile pour les Noirs sud-africains. Pendant quelques semaines, elle s'est intéressée à la folie meurtrière que subissaient les cantons noirs. Pendant ce petit laps de temps, elle a pu noter que les méthodes du tueur étaient similaires à celles de David Selepe, qui avait étranglé près de 11 femmes dans le canton de Cleveland. Cependant, Selepe avait été abattu par la police. Cela voulait dire qu'un nouveau tueur en série était en liberté. Cette certitude est encore renforcée le 13 mai, lorsque le corps d'Esther Moshibudi Menedja, 29 ans, est retrouvé dans un champ de maïs près d'Hercule à Pretoria West. Le bas de son corps était nu et elle avait été
étranglée avec des morceaux de ses vêtements. Elle avait été vue pour la dernière fois la veille au soir alors qu'elle quittait un café pour rentrer chez elle. Le corps suivant a été retrouvé un mois plus tard, bien que 5 femmes aient disparu dans l'intervalle. Francina Nomsa Sitebe, 25 ans, a été retrouvée le 13 juin, affalée contre un arbre. Elle portait encore sa robe, mais sa culotte et la lanière de son sac à main avaient été utilisées pour l'attacher à l'arbre par le cou. 3 jours plus tard, le 16 juin, à mon anniversaire, mince, le corps nu d'Elisabeth Grani Matetsa a été découvert à Roslyn, une zone industrielle à environ 15 km au nord-ouest de Pretoria. Elle avait 19 ans et avait été vue vivante pour la dernière fois le 25 mai. Le 22 juin, un corps a été retrouvé à Rocherville et étranglé. La pièce d'identité de cette femme a été retrouvée à proximité. Il s'agissait d'Ernestina Moadi Mosebo, 30 ans. 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 24 juin, le corps de Nikki Wediko a été retrouvé à Atteridgeville. Elle avait disparu le 7 avril, date à laquelle elle est allée rencontrer quelqu'un au sujet d'une opportunité d'emploi. Comme par hasard. Lorsqu'elle a été retrouvée, son corps avait été dévoré par des chiens sauvages et gisait en morceaux. Ses mains avaient été attachées avec sa culotte et la police n'a réussi à retrouver son crâne que le lendemain à 40 mètres de son torse. Ses collants avaient été noués autour de son cou et enroulés si étroitement avec un bâton que des fragments d'os s'étaient incrustés dans le tissu. Un bâton avait également été enfoncé dans son vagin. Son alliance était toujours à son doigt et a été identifiée par son mari. Absalom Sogweni, qui vivait dans une caravane à Bayers Park, Bodsburg, a dit qu'il avait vu un homme et une femme entrer dans le Veld le 17 juillet à une certaine distance de chez lui. Il les a donc appelés pour leur dire qu'il avait une clôture sur cette parcelle du terrain et qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Mais l'homme a tout simplement répondu qu'il était au courant, qu'il savait très bien et qu'il connaissait bien la région. Et l'homme et la femme ont tout simplement disparu après ça. Mais quelques instants après, l'homme réapparaît seul. Il n'était donc plus en compagnie de la femme. Absalom remarque quelque chose de brillant dans la main de l'homme, comme par hasard, et il voyait que cet homme-là regardait autour de lui furtivement, comme s'il avait fait quelque chose de très grave et qu'il voulait s'éloigner au plus vite de l'endroit. L'homme se met donc à courir. Absalom a alors un réflexe incroyable, il va dans le Veld afin de voir ce qui se passait, et il y trouve la femme qui a été agressée et qui est immobile. Absalom, qui a alors un courage exceptionnel, se rend alors au supermarché le plus proche pour appeler la police. Quelques instants après, le sergent Gideon O'Neill apparaît avec sa femme et la trousse de premiers soins. Mais malheureusement, ils ne parviennent pas à réanimer la femme. La malheureuse avait été étranglée par la ceinture de sa propre robe et elle fut identifiée plus tard comme Joséphine Mansali Mianjeni, une jeune femme de 25 ans et mère de 4 enfants. Et comme les autres, rappelez-vous, elle avait quitté son domicile afin de rencontrer un homme pour une possibilité de travail. Le scénario se répète encore. Ce même jour, une équipe d'enquête spéciale a été établie sous la direction du capitaine Vinol Viljoen de l'unité des meurtres et des vols de Pretoria. Il avait en effet enquêté sur les 2 précédents meurtres et collecté maintenant tous les dossiers des victimes avec le même mode opératoire. Et la situation était si grave et compliquée que la police décide de mettre sur le coup le premier profiler d'Afrique du Sud, Mickey Pistorius. Alors je sais pas si vous connaissez ce nom, mais en tout cas je l'ai connu par le biais de Stéphane Bourgoin, qui est un faux profiler français qui parlait énormément du fait de travailler avec Mickey Pistorius sur des scènes de crime. Allez vous renseigner, franchement ça vaut le détour. Alors les profilers parcourent les dossiers, mais ils n'étaient pas sûrs des liens qu'ils avaient entre eux. En effet, certaines victimes avaient été attachées, d'autres non, donc ils n'étaient pas sûrs que c'était le même tueur finalement, avec le même mode opératoire. Et parmi celles qui avaient eu les mains liées, certaines avaient eu les mains liées devant, d'autres par derrière, donc un petit peu le flou. Tout semblait extrêmement aléatoire et ils ignoraient si un seul et même homme avait tué ces femmes. Le lendemain, Granny Dimakatso Ramela, 21 ans, disparue le 23 mai, a été retrouvée à Pretoria West. Couchée sur le ventre, elle était vêtue et elle avait toujours le garrot qui avait servi à l'étrangler. Mildred Ntia Lepule, 28 ans, soit une semaine après la disparition de Granny Ramela, a été accompagnée par son mari pour rencontrer un homme au sujet d'une offre d'emploi. Le scénario se répète encore une fois. Toujours la même histoire. Seulement voilà.
ni son mari, ni personne d'autre ne l'a jamais retrouvée vivante. Et le 26 juillet, son corps sera retrouvé dans un canal près du barrage de Bon Accord, à proximité de la ville de Onderstepoort, à environ 15 km de Pretoria Nord. Donc c'est toujours dans les mêmes endroits. Elle avait été étranglée avec ses collants et sa culotte avait été tirée sur son visage. Et le 8 août, soit seulement quelques jours après cette découverte macabre, un autre corps a été découvert à Onderstepoort. Et la pauvre victime a été identifiée grâce aux objets contenus dans son sac retrouvé à proximité. Il s'agissait d'Elsie Coty Masango, 25 ans, et elle était portée disparue depuis le 14 juillet. Le lendemain, un autre corps a été retrouvé dans la même zone. Cette femme, par contre, avait été brûlée au point d'en être méconnaissable, probablement à cause d'un incendie de veine. Malheureusement, elle n'a jamais pu être identifiée et on ignore combien de temps le corps était là. Deux semaines plus tard, c'est-à-dire le 23 août, le corps d'Oscarina Vuyokasi Jakalaz, 30 ans, a été retrouvé près de Boxborough. Et elle avait disparu le même jour où le corps d'Elsie Masango avait été retrouvé. Donc les meurtres étaient de plus en plus rapprochés dans le temps. Et le 28 et 30 août, deux autres corps ont été retrouvés près du barrage de Bon Accord, décidément toujours au même endroit, près d'Onderstepoort. Et le deuxième corps semblait être là depuis quelques mois. Malheureusement, encore une fois, ces deux corps n'ont jamais pu être identifiés. Et en raison de la présence accrue de la police près de Onderstepoort, par conséquent, le tueur est retourné dans la région de Cleveland, où un autre corps non identifié va être retrouvé, le 12 septembre. My dear lovely Bécha, don't mind me. Ne vous occupez pas de moi, je suis tellement bien assis sur mon siège en fait. Nous voilà maintenant le 16 septembre 1995. Un réserviste de la police a pris sa journée. Il profite de cette journée-là pour aller chasser du lapin dans le veld. Le veld, c'est le plus grand champ de Bosberg. Et ce, avec son chien. Quand il arrive, il sort son arme et commence à chasser quand tout d'un coup l'air est envahi. Quand tout d'un coup l'air est empli par une odeur nauséabonde. Une puanteur de la chair en décomposition. Il ne comprend pas ce qui se passe. Bien heureusement pour lui, son chien est un chien pisteur. Voilà comment il va le conduire jusqu'au corps d'une femme brutalement battue et abandonnée près de la mine Vandik. À la vue de cette découverte, le policier, le réserviste de la police est sous le choc. Il ne peut du tout rien faire tout seul. C'est sa journée de repos. Il était là pour chasser du lapin. Maintenant, il fait cette découverte-là puisqu'il ne peut rien faire tout seul. Voilà comment il va sortir son téléphone et appelé le SAPS, South African Police Service. Et c'est pas moins de 30 membres de la police qui seront dépêchés sur les lieux. Les experts médicaux légaux seront aussi dépêchés sur les lieux. Et ensemble, ils vont fouiller la zone à la recherche des preuves. Ils vont la fouiller minutieusement. Au cours d'une opération qui a duré 2 jours, 10 corps ont été exhumés sur place. Certains de ces corps étaient gravement décomposés. Le veld qui était désormais une scène de crime a reçu une attention, une énorme attention médiatique. Les médias étaient présents en force sur les lieux. Même le président nouvellement élu Nelson Mandela a annulé son voyage pour se rendre en personne sur les lieux du crime, pour se rendre en personne sur le veld. Et une fois sur le veld, il a prononcé un discours. Et dans son discours, il a demandé aux habitants de Gauteng de collaborer main dans la main avec la police. J'ai marqué une pause. Voilà pourquoi vous avez constaté que les lumières sont aussi allumées derrière moi. C'était une très grande pause en fait. Là maintenant, j'ai l'impression que j'ai perdu la main. J'ai l'impression que je suis en train d'aller comme une machine de guerre. Si c'est le cas, vous allez sincèrement m'excuser. De toutes les façons, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Moses Sithole. Laissez-moi maintenant vous dire que le site présentait deux aspects intéressants. Le veld était situé à 5 km de la prison de Bosberg. Est-ce que la prison de Bosberg vous dit quelque chose? Eh oui, vous êtes très intelligent et vous suivez vraiment bien en fait. La prison de Bosberg est la prison où Moses Sithole avait été incarcéré. Laissez-moi vous dire que ces objets d'importance rituelle comprenaient des bougies noires et rouges, des miroirs, des plumes, des couteaux. Ces objets d'importance rituelle comprenaient aussi de la lingerie féminine. La police n'a pas seulement retrouvé tout ce que je vous ai cité. La police a retrouvé plusieurs objets, de nombreux objets comme je l'ai tantôt dit en fait. En plus de tout cela, laissez-moi vous dire qu'il y a eu une découverte alarmante
monte sur la scène de crime avec les quatre dernières victimes retrouvées sur la mine Vandik. Le tueur avait combiné ses méthodes de liaison et d'étranglement. Les femmes les plus récentes qui avaient été retrouvées sur la mine Vandik avaient les mains liées au cou, de sorte que plus elles luttaient, plus elles s'étouffaient. Maintenant, parmi les 10 femmes qui ont été retrouvées sur le Veld, juste 6 d'entre elles ont été identifiées. Et il s'agit entre autres de Makoba Trifina Mogotsi, 26 ans, qui avait disparu le 15 août. De Nelisiwe Nontobeko Zulu, qui avait également 26 ans. Elle avait été vue pour la dernière fois le 4 septembre 1995, et ce alors qu'elle cherchait un emploi. Il s'agit également d'Amelia Dimakatso Rapodil, qui elle avait 43 ans. Elle avait disparu le 7 septembre 1995 après avoir quitté son travail à l'aéroport international de Johannesburg. Et ce, en compagnie d'un homme qui lui avait promis un meilleur emploi. Pour cet homme-là, travailler à l'aéroport international de Johannesburg était une perte de temps. Il fallait qu'elle s'occupe bien et il avait la solution à ses problèmes. Et comme vous le savez déjà aussi, depuis ce jour-là, on ne l'a plus revue en vie. Et ce, jusqu'au jour où elle a été retrouvée morte dans le Veld. Et ce, avec ses bras attachés derrière son dos jusqu'au cou avec ses collants. Chose bizarre et curieuse, sa carte bancaire avait été utilisée pour retirer de l'argent le soir même de sa disparition à Germiston. J'espère sincèrement que j'ai bien prononcé le nom de cette ville, Germiston. Il s'agit également de Monica Gabisile Vilakadzi qui avait 31 ans. Elle a quitté la maison de sa grand-mère pour aller chercher du travail le 12 septembre 1995, laissant son fils de 4 ans aux soins de sa grand-mère. Essayez d'imaginer sa grand-mère lorsqu'elle a appris sa mort, et ce à la télévision. Pourtant, en sortant, elle a dit à sa grand-mère, « Mamie, je reviens. Je m'en vais chercher du boulot. Du boulot qui va nous aider. Nous aider, je voulais dire. » La cinquième victime identifiée s'appelle Azel Nozifo Madikizela. Elle avait 21 ans. Tellement son corps était en état de décomposition avancée qu'elle a été identifiée seulement un an plus tard, c'est-à-dire en novembre 1996. Elle a été vue pour la dernière fois par ses parents à Germiston. Et la toute dernière victime, notre sixième victime identifiée, s'appelle Tidi. Je vous assure que c'est ici que je vais vraiment massacrer le nom de la victime. Je disais donc tantôt, elle s'appelle Sidi Malekowa Matela. Elle avait 45 ans. Comme Azel, son corps a été identifié un an plus tard, c'est-à-dire en novembre 1996, pratiquement le même jour. Laissez-moi maintenant vous choquer, Sidi n'était même pas originaire d'Afrique du Sud. Elle était originaire du Lesotho voisin. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de ce pays de l'Afrique australe. Maintenant, parlons des quatre autres femmes qui n'ont même pas été identifiées. Laissez-moi vous dire qu'elles n'ont reçu que des numéros. Des numéros attribués par la morgue au fur et à mesure de leur inscription sur le registre du décès. Pourquoi est-ce que j'ai dit du décès? C'est plutôt des décès. Pendant son discours, le commissaire Chivaz a déclaré à la presse qu'il n'y avait aucun lien entre ce site-là et les meurtres de Cleveland. Jusqu'à ce que Sitolé soit mis aux arrêts. Pour le commissaire Chivaz, c'était David Selepe qui était le meurtrier de Cleveland. Pendant son discours, il a tout de même dit qu'il était possible que le meurtrier de ce site-là soit le même que le meurtrier d'Atterichville, parce que leurs méthodes étaient semblables. Pendant son discours à la presse, il a également révélé qu'une récompense de $82,000 serait offerte à toute personne qui aurait des informations pouvant conduire à l'arrestation du ou des tueurs. Tout le monde voulait mettre la main sur ce tueur-là, ou bien même sur cette tueur-là. En raison de la liste exponentielle des victimes et du rythme auquel elles étaient tuées, il a été décidé de contacter des experts internationaux. C'est à la suite de cela, c'est à la suite de cette décision que Mickey Pistorius a fait appel à Robert Ressley. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, Robert Ressley. Ressley était un profileur à la retraite du FBI, un profileur que Mickey Pistorius avait rencontré lors d'une conférence en Écosse en juin. My dear lovely Beisha, you are not dreaming. Vous ne rêvez pas. J'ai bel et bien arrêté les lumières là derrière moi. À cause de ces lumières là, ma caméra tire devant, tire en arrière. Mais qu'est-ce que c'est? Ibrahim, reviens à tes moutons égarés. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour Mickey Pistorius. Tu es là pour Robert Ressley. Tu es surtout là pour Moses Sitolé. Je disais donc tantôt, avant que Mickey ne fasse appel à Robert Ressley, elle avait déjà au préalable dressé le portrait du tueur. Elle avait déjà au préalable dressé le portrait du meurtrier.
Et lorsque Robert est arrivé, ils ont ensemble affiné le portrait du meurtrier. J'espère que ce n'est pas du tout ce que je suis en train de penser. J'espère que je n'ai du tout pas titubé dans ma phrase. Parce que quand je fais cela, franchement, ça m'énerve pendant le montage. Vous ne pouvez même pas vous imaginer, en fait. Parce que ça fait comme si je ne suis du tout pas professionnel. Ça fait comme si j'étais en train de faire une vulgaire récitation et à un moment donné, ça s'est arrêté. Alors, si c'est le cas, vous allez sincèrement m'excuser. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez m'applaudir en commentaire. Laissez-moi vous dire que dans son livre Stranger on the Street, Les étrangers dans la rue, Mickey a énuméré les caractéristiques du tueur. Mickey a énuméré les caractéristiques du meurtrier. Elle a énuméré sur 15 points. Dans le tout premier point, Mickey a dit qu'il s'agit d'un homme noir à la fin de la vingtaine et ou au début de la trentaine. Elle a dit que c'est un travailleur indépendant qui a un accès facile à l'argent. Dans le troisième point, elle a dit qu'il conduit une voiture chère. Le quatrième point, qu'il porte des vêtements et des bijoux flashy. Vous comprenez de quoi elle est en train de parler. Dans le cinquième point, elle a dit que c'était un homme qui était socialement compétent, un homme charmant et un homme à femme. Dans le sixième point, elle a dit qu'il est probablement marié, séparé ou divorcé. Nous sommes maintenant dans le septième point. Mickey a dit que cet homme-là visite des endroits où l'on vend de l'alcool et aime bien socialiser. Dans le huitième point, qu'il a probablement eu une certaine implication dans la fraude et le vol. Dans le neuvième point, elle dit qu'il pourrait et qu'il l'a déjà certainement dit à quelqu'un qu'il est le tueur en utilisant la troisième personne du singulier et qu'il pourrait aussi narguer facilement la police. Dans le dixième point, elle a dit que le jeune homme, que le tueur en question, qui est un homme noir, suit les informations sur les meurtres et l'enquête policière dans la presse. Dans le onzième point, elle a dit qu'il déteste les femmes. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec Mickey. Vous le savez déjà comme moi que Moses Sito les déteste les femmes. Il veut exterminer la gente féminine. Même si dans le cas échéant, personne ne sait qu'il s'agit de lui. Je disais tantôt dans le onzième point, Mickey a dit que cet homme-là déteste les femmes, bien qu'il soit très charmant pour elles. Dans le douzième point, elle a dit que le monsieur se masturbe après les crimes. Et après être passé à l'acte, il ramasse des souvenirs qu'il en dispose plus tard. J'espère sincèrement que j'ai bien prononcé plus tard. Dans le 13e acte de son livre, elle dit qu'il a une forte libido et qu'il regarde beaucoup des films pour adultes. Dans l'avant-dernier acte, Mickey a dit qu'il a eu une sorte d'exposition à la violence sexuelle dans son passé. Et ce peut-être dans l'adolescence. Pour finir, dans le dernier acte, Mickey dit qu'il est très intelligent et débrouillard. Robert, quant à lui, dans son livre, I have lived in the monster. J'ai vécu dans le monstre. Je peux aussi traduire cela en disant j'ai vécu avec les monstres. Ou du moins, j'ai vécu avec le monstre. De toutes les façons, mon anglais est encore bancal. Si vous pensez que j'ai fauté, veuillez me dire en commentaire. Veuillez traduire la phrase en commentaire. De toutes les façons, on n'est pas là pour se chamailler pour ça. On n'est pas là pour savoir qui va le mieux traduire cette phrase. Je vais plutôt vous demander de vous concentrer. Robert, dans son livre, a prédit que le jeune homme, que le tueur a une forte libido et qu'il regarde beaucoup les films pour adultes. Il a également dit dans son livre que les fantasmes du tueur, que les fantasmes du meurtrier sont très agressifs, que dans sa tête, les femmes ne sont que des objets à abuser. Robert, pour clôturer, a dit que le meurtrier aime bien contrôler les femmes, qu'avant même de les contrôler, il prend le soin de les charmer, que c'est un très beau garçon. Sans toutefois connaître qui est le tueur, sans toutefois connaître qui est Moses Sitolé, Mickey et Robert l'ont plutôt bien décrit. Robert va aussi dire, je ne sais pas pourquoi j'ai clôturé tout à l'heure, que quand le meurtrier s'approche de la victime, quand le meurtrier s'approche de sa victime, il le fait de manière calculatrice et très conscient que pour finir, il va lui faire du mal. Très conscient que pour finir, il va la tuer. Qu'au moment où il s'imagine en train de faire du mal à sa victime, qu'au moment où il s'imagine en train de tuer sa victime, il savoure tellement ce moment, que ce moment est tellement savoureux et adoucissant pour lui. En termes plus clairs, que c'est un sadique, que c'est une personne qui aime bien voir les autres souffrir. C'est une personne qui aime bien voir les autres le supplier pour leur vie. Un sac à main avait été récupéré sur le champ de bataille de Boxburg et à l'intérieur, la police retrouve une pièce d'identité et cela permet d'identifier rapidement l'une des victimes, Amelia Rapodil. Retraçant ses derniers mouvements connus, les détectives apprennent de ses collègues que Amelia avait en fait rendez-vous le 7 septembre avec un certain Moses Sitolé pour une promesse d'emploi. Et après cette date, personne ne l'avait revue. Et
ils ont retrouvé un formulaire de candidature pour une des organisations de Sithole, le Youth Against Human Abuse. Donc c'est quand même paradoxal, hein, la jeunesse contre l'abus humain. Et Sithole lui avait proposé un emploi dans cette organisation. Le numéro de téléphone figurant sur le formulaire vont les mener jusqu'à la sœur de Sithole, Kwasi Sithole, qui vivait à Watteville, près de Boxbourg. Alors les policiers se rendent rapidement chez elle et elle affirme qu'elle ne savait pas où il se trouvait et qu'il ne vivait pas avec elle. Lorsque Tryphena Mogoxi a été identifiée peu de temps après, les détectives étaient à peu près certains d'avoir le bon suspect. Tryphena était blanchisseuse à Kids Haven, donc refuge pour les enfants, comme son nom l'indique, qui aide les enfants des rues de Benoni. Sifiwe Ngwenya leur dit qu'un homme avait rendu visite à Kids Haven et leur avait parlé d'emplois possibles dans son organisation. Vous devinez aisément de qui il s'agissait. Et cette organisation s'appelait, sans surprise, Youth Against Human Abuse. Il avait également parlé à Tryphena, qui était très excitée à l'idée de la perspective d'un emploi au sein de cette organisation. Elle en parle à sa collègue Sifiwe et lui dit qu'elle était super contente d'avoir un rendez-vous avec cet homme au sujet d'une offre d'emploi. Et Moira Simpson, une assistante sociale, va affirmer également qu'elle avait vu deux fois Moses Sithole leur rendre visite à Kids Haven. La première fois, il était accompagné d'un photographe de The Starrett. La deuxième fois, il était arrivé seul en train de produire un article pour son organisation et disant qu'il voulait organiser une collecte de fonds pour les enfants des rues. Quel homme généreux! Et quelques jours plus tard seulement, Tryphena avait disparu. Malgré l'énorme couverture médiatique des corps retrouvés près de Boxbourg, les appels à l'aide du président Mandela lui-même et la promesse d'argent en échange d'informations, eh bien Sithole reste imperturbable. Après tout, il se sentait à présent comme un dieu omniprésent et omnipotent, car en effet, il avait toujours une longueur d'avance sur la police. Une semaine après la découverte de 10 corps près de la mine de Van Dijk, Agnès Sibongil Mbouli, 20 ans, a disparu alors qu'elle se rendait chez un ami. Son corps fut retrouvé le 3 octobre à la gare de Kleinfontein, près de Benoni. Collecte de fonds pour les enfants des rues de Benoni, corps retrouvé, toujours dans les mêmes endroits. Le même jour, un homme a appelé au bureau du journal de The Star et la journaliste Tamsen De Beer a répondu. L'homme dit qu'il s'appelait Joseph Magwena et qu'il était le tueur en série de la région de Gauteng. Il lui dit qu'il voulait se rendre et De Beer raccroche bien évidemment et appelle immédiatement la police. L'homme téléphonera à 3 autres reprises et ses appels seront enregistrés par la police. Au cours des 4 conversations, des informations sont données par le tueur. Et ce sont des informations détaillées sur les meurtres. Il déclare qu'il avait commencé à tuer après une fausse déclaration de de la part d'une femme pour lequel il avait été reconnu coupable et emprisonné. Et en prison, il avait subi des abus de la part de ses co-détenus. Je force une femme à aller où je veux et quand j'y vais, je leur dis « Tu sais quoi ? J'ai été blessé, alors je le fais maintenant. Ensuite, je les tue. » Alors en fait, l'homme insinuait le fait qu'il avait été emprisonné à tort, qu'il était innocent et du coup il se vengeait sur les autres femmes de cette injustice. Totalement tordu. Il déclare également qu'il avait utilisé les vêtements de ses propres victimes afin de les étrangler et qu'il préférait les sous-vêtements car il ne laissait aucune empreinte digitale. Il avait utilisé une zone près de Boxbourg pendant une période prolongée, mais bien sûr, tous ceux qui lisaient les journaux savaient ces détails. Poursuivant cependant, il dit que les femmes avaient vu les autres victimes avant de mourir. Bien qu'il ait accepté la responsabilité des meurtres à Atterridgeville, Pretoria et Boxbourg, il a totalement catégoriquement rejeté la responsabilité des meurtres de Cleveland. Il a également catégoriquement nié avoir tué Leta Nlanga Mandla ainsi que son fils de 2 ans, déclarant qu'il aimait les enfants. Il a également fourni d'autres détails, notamment l'emplacement d'un corps que la police n'avait pas encore trouvé. Et à ce moment précis, les enquêteurs ont estimé qu'il s'agissait réellement du tueur. Peu de temps après, un corps non identifié a été retrouvé près de la gare de Jupiter, selon les instructions fournies par ce Magwena. Le 9 octobre, quelques jours après son appel à The Star, le corps de Beauty Ntombi Ndabeni a été retrouvé à Germiston le 11 octobre. Un peigne avait été utilisé pour serrer son collant autour de son cou. En fin de compte, Tamsen De Beer, alors rappelez-vous la fameuse journaliste du journal The Star, a organisé en collaboration avec la police une réunion avec Magwena à une gare. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné comme les détectives l'espéraient. Ils ont donc décidé d'adopter des tactiques plus agressives contre le tueur. Et une photo du suspect, donc Moses Sithole, vu qu'il savait son vrai nom, a été publiée dans les journaux le 13 octobre. Ils appellent donc le public à livrer toute
toutes les informations qu'il connaissait à propos de cet homme. Et comme pour narguer la police, un corps a été retrouvé dans la Main Village, Main Reef, près de Johannesburg. Et des lacets avaient été utilisés pour accrocher son cou à un arbre. Le corps de la femme ne sera jamais identifié. Même s'il pouvait toujours tuer librement, Moses Sithole ressent de plus en plus l'étau se resserrer autour de lui. En effet, sa photo circule dans tous les médias, la police est à ses trousses et il avait la menace de la justice populaire. Et la perspective de se faire massacrer dans un coin de la rue par José et Maurice avec une batte de baseball n'est pas très joyeuse. Et donc, pour se protéger, Sithole contacte son beau-frère, Maxwell, et on parle pas du café, même si la cavale n'était apparemment pas sa tasse de thé ou de café. Et Sithole lui demande s'il pouvait lui trouver une arme à feu. Évidemment, Maxwell accepte, et ensemble, ils organisent une rencontre à l'usine de Mintex à Benoni. Mais c'était sans savoir que ce dernier l'avait déjà vomi, ainsi que tous ses proches. Et donc, Maxwell s'empresse de prévenir la police de la demande de Sithole. Une balance. Mais heureusement qu'il était là. Les capitaines Vinol Viljoen, rappelez-vous, et Frans van Niekerk saisissent l'occasion. Ils rencontrent la direction de l'usine et l'inspecteur Francis Mulovetzi se fait passer pour un gars de la sécurité. Et s'organise pour que l'inspecteur Francis Mulovetzi se fasse passer pour un gars de la sécurité. Et tout ceci à l'insu des autres gardes. À 21h donc, le 18 octobre, Sithole se pointe à l'usine et demande son beau-frère Maxwell. Les autres gardes disent à Mulovetzi d'aller chercher Maxwell, car il était le petit nouveau, un petit peu le larbin de service hein, à qui on demande d'aller chercher le café et d'autres personnes qu'on demandait. Mais Mulovetzi refuse car il ne voulait pas quitter d'une seule semelle Sithole. Mais Moses, qui était un gars intelligent, se méfie et il s'enfuit. L'inspecteur Mulovetzi n'abandonne pas, il le suit dans une ruelle sombre et il se présente comme un policier. Et demande à Moses de s'arrêter et c'était dans le noir, hein, complètement à l'aveuglette, il va tirer dans l'obscurité. Mais Moses Sithole ne voulait pas se rendre aussi facilement et est prêt à se battre. Lorsque le policier tire 2 balles, Sithole se précipite sur lui armé d'une hache. Alors d'où venait cette hache? Seul lui est en mesure de répondre à cette question. Le gars, on dirait qu'il est dans un jeu vidéo et prend une arme au hasard, je ne sais pas d'où elle sort. Et le voyant foncer sur lui armé de cette hache, Mulovetzi lui tire 1 balle dans sa jambe droite. Mais Sithole continue d'avancer, alors décidément hein, ce mec est indestructible. Un peu comme la poupée Chucky, il tombe sur l'inspecteur et il commence à se battre avec lui. On dirait vraiment un film d'horreur. Alors quelle idée d'envoyer un seul policier pour coincer un tueur en série dangereux, je vous le demande. Finalement, après avoir été blessé à la main par cette hache, il tire à 2 reprises sur Moses dans le ventre, mettant ainsi fin au combat. Il a été transporté à l'hôpital de Glenwood à Benoni, où il fut opéré le lendemain. Lorsque Sweeker Britz, commandant national des unités de meurtre et de vol, a appris que Sithole avait reçu 2 balles dans le ventre, d'après lui, son cœur s'est arrêté pendant 2 secondes. En effet, c'était comme un déjà-vu de l'affaire de David Selepé, rappelez-vous, hein, ils avaient fait un parallèle entre les 2 criminels, un incident que la presse n'avait pas vraiment abandonné. Par chance, 2 jours plus tard, il fut transféré à l'hôpital de Pretoria, à l'hôpital militaire, où la sécurité était beaucoup plus stricte, donc il n'y avait pas moyen de s'échapper. Évidemment, la nouvelle de l'arrestation du tueur en série de Gauteng s'est répandue comme une traînée de poudre. Cependant, cela n'a pas apporté le soulagement auquel on pouvait s'attendre. À Watteville, les habitants étaient furieux que Kwasi Sithole, une habitante de Watteville elle-même, n'ait pas fourni d'informations sur son frère plus tôt. Rappelez-vous, la police l'avait quand même appelé. Le 23 octobre, Moses Sithole est inculpé de 23 meurtres par le tribunal d'instance de Brakman et malheureusement, il n'a pas pu y assister en raison de ses blessures. Génial. Et le 28 octobre, les journaux ont révélé le fait que Moses était séropositif, ce qui voulait malheureusement dire que sa femme et sa fille l'étaient aussi. Après son rétablissement, il a refusé de faire toute déclaration jusqu'à la visite d'une policière. À ce moment-là, il a déclaré avoir commis plus de 10 meurtres et il a dit les détails pendant qu'il se masturbait. Il a dit qu'il ne tuait qu'en plein jour et qu'il ne choisissait que les jolies filles et que pendant qu'elles mouraient, il se masturbait. La grande classe. Il a nié avoir travaillé à l'aide d'un complice et a affirmé qu'il y avait eu des meurtres copiés, donc qu'il y aurait un copycat.
Et au cours du procès, ses aveux ont été contestés. Et à l'aide de son avocat, Sitolé affirme que la police l'avait forcé à lui faire admettre des meurtres. Il a affirmé que les détectives qu'il avait interrogés lui avaient fourni les noms et les détails des victimes, puis il lui aurait fait restituer le tout par enregistrement. Et bien entendu, les personnes accusées de crimes accusent fréquemment la police de les avoir forcées à avouer des meurtres d'une façon ou d'une autre. Et ses aveux ont aussi été rejetés car au moment des interrogatoires, il n'était pas accompagné d'un avocat. La police dira pour sa défense que pendant un moment, il n'avait pas accepté la présence d'un avocat pendant les interrogatoires. Lorsque Tony Richard, un avocat de l'aide juridique, est arrivé à l'hôpital, il en a été informé, mais il n'a pas cru la police et a quand même parlé à Sitolé. Le 3 novembre, Sitolé est libéré de l'hôpital militaire et transporté à la prison de Boxbourg, où il avait été, rappelez-vous, incarcéré auparavant pour un viol. Il a été détenu dans une cellule d'isolement, logique, où il restera jusqu'à ce que son procès commence. Au cours des deux jours suivants, Sitolé emmène la police dans des nombreux endroits où les corps avaient été retrouvés. Le 6 novembre, il les emmène dans les décharges minières de Gosforth Park, à l'ouest de Germiston, où ils ont découvert la dernière victime, une autre femme qui ne fut jamais identifiée. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet avant-procès? Parce que oui, il y a eu un avant-procès avant le procès proprement dit. De toutes les façons, le procès de Moses Sitolé fut le procès le plus long, le procès le plus coûteux, mais aussi le procès le plus intéressant de tous les procès sud-africains. Moses Sitolé a comparu pour la toute première fois devant le tribunal le 13 novembre 1995. Mais ce jour, le procès a été annulé. Non, pas annulé, le procès a été reporté pour le 5 décembre 1995. Et ce pour complément d'enquête. Nous sommes maintenant le 5 décembre 1995, jour de la réouverture du procès de Moses Sitolé. Mais ce jour, rien ne sera fait. Le procès sera de nouveau reporté. Et ce parce que son avocat Tony Richard a présenté une lettre au juge. Une lettre du docteur Léon Finn. Le docteur Léon est un psychiatre. J'ai toujours eu du mal avec ce mot. La lettre du docteur Léon demandait au juge de permettre à Moses Sitolé d'être envoyé pour une observation clinique. Apparemment, d'après la lettre du docteur Léon, Sitolé avait subi des blessures à la tête et ce lors des agressions et des combats de boxe. Oui, Moses Sitolé a été boxeur amateur dans le passé. Blessures qui, selon la lettre du docteur Léon, l'auraient empêché de se rendre compte de la gravité de ses actions. Bien évidemment, ce jour, le juge a ordonné à ce que Sitolé retourne à la prison de Krugersdorp. Je vous assure que massacre monumental où il allait être observé à l'hôpital psychiatrique voisin de Sterkfontein. Une fois de plus, massacre monumental. Laissez-moi vous dire que cette observation clinique de Sitolé a pris 3 mois. 3 longs mois. Ce n'est que le 6 mars 1996 que les rapports psychiatriques de Moses Sitolé ont enfin été terminés et le tribunal a été informé que Moses Sitolé ne souffrait d'aucun trouble, qu'il n'avait aucune blessure à la tête pouvant empêcher sa compréhension du bien et du mal. Tout ceci pour vous dire qu'il a été jugé apte de subir son procès. Et voilà que le 20 mai 1996, Sitolé a comparu devant la Cour suprême de Pretoria, où la date pour le début du procès a été fixée 5 mois plus tard. J'espère sincèrement, une fois de plus, que j'ai bien prononcé le mot plus tard. Et voilà qu'à la mi-septembre 1996, on apprend que l'avocat de Moses Sitolé, Tony Richard, l'a lâché et qu'il recevra un avocat privé, un avocat du nom d'Eben Jordan. Et puisque Moses Sitolé n'avait du tout pas d'argent pour payer ses avocats, les honoraires de son avocat Eben Jordan ont été pris en charge par le gouvernement, par l'État. Laissez-moi vous dire que le 30 septembre 1996, une nouvelle frénésie a éclaté dans les journaux sud-africains. Je ne sais du tout pas pourquoi je n'arrivais plus à respirer en fait. Et ce, lorsqu'il a été annoncé que Moses Sitolé était inculpé de 38 chefs d'accusation de meurtre, de 40 chefs d'accusation pour abus sexuels et de 6 chefs d'accusation de vol. Comme l'a tantôt dit Nathalie Kat, c'est vraiment énorme. C'est beaucoup trop pour une seule personne. On arrive finalement au jour J. On arrive finalement au jour du procès. Laissez-moi vous dire que son procès a finalement débuté le 21 octobre 1996 au tribunal de première instance de Pretoria. Comme vous le savez déjà, ce jour, il devait répondre à 38 chefs d'accusation pour meurtre, 40 chefs d'accusation pour abus sexuels, ainsi que de 6 chefs d'accusation pour vol. Laissez-moi
maintenant vous dire que l'accusation a rassemblé plus de 140 témoins. Plus de 140 personnes ont défilé dans la salle d'audience. Parmi ces 140 personnes, il y avait ses premières victimes d'abus sexuels, mais aussi les parents des personnes décédées. Ils étaient tous là dans le but de mettre le plus grand tueur en série d'Afrique du Sud derrière les barreaux à vie. De nombreuses personnes ont défilé à la barre. Des pères ont décrit l'agonie d'avoir identifié leur fille battue et brisée. Beaucoup de larmes ont été coulées dans la salle d'audience. Laissez-moi vous dire que Sitolé, pour la plupart, ne manifestait aucune émotion. Il s'en foutait royalement des larmes qui étaient versées dans la salle d'audience. Son visage était fait de marbre. Je vous assure que c'était dur. Je vous assure que c'était plaqué. Il ne laissait transparaître aucune émotion. Il se permettait plutôt de rire de la souffrance de ces gens. Sitolé se permettait plutôt de rire du chagrin de ces gens, de ces pères de famille, de ces mères de famille qui avaient identifié leur fille battue et brisée. Il se moquait même de ces femmes-là qui l'avaient abusé d'elle. Je vous assure que c'était inhumain. Tout le monde était choqué. Nous sommes maintenant le 12 novembre 1996. Ce jour, le procès va être suspendu lorsque Sitolé va se présenter devant le tribunal avec un pantalon ensanglanté et ce dû à une blessure au genou. Selon les gardes policiers, ce matin-là, Sitolé a subi une mauvaise chute. Personnellement, je ne crois du tout pas en cette version. Moi, dans ma tête, on l'a bien bastonné et c'était bien fait. Ibrahim, gare à toi, s'il te plaît. Arrête de prendre position. Il faut être professionnel. Laissez-moi vous dire que la seule et unique fois où Moses Sitolé a montré ses émotions, où il a pleuré au cours du procès, fut le 26 novembre 1996. Et ce, lorsque Martha Enslovo a été appelée à la barre des témoins. Et il a pleuré seulement parce qu'il espérait voir et toucher sa fille. Mais Martha a dit niet. Martha a dit on. Tu es un sale meurtrier. Et les meurtriers, franchement, j'en ai rien à foutre d'eux. Et ma fille Bridget, qui a aujourd'hui 1 an, n'a rien à foutre avec toi. Et laisse-moi te dire que je vais t'enfoncer. Je vais t'enfoncer bien profond. Tu ne vas rien comprendre. Voilà maintenant qu'après le tour de Martha, ce fut au tour de l'inspecteur Moulovetzi de décrire les événements entourant l'arrestation de Moses Sitolé. Et Ben Jordan, l'avocat de Moses Sitolé, lors de sa contre-interrogatoire, va dépeindre un tableau différent. Selon la version de Moses Sitolé, il était simplement en train de marcher dans la rue, puis sans crier garde, il a heurté l'inspecteur. Que quand il s'est retourné pour lui dire je suis désolé, l'inspecteur a tout simplement pété un câble et a sorti son arme pour commencer à tirer des coups de feu sur lui, ou je voulais plutôt dire en sa direction. De plus, il va dire qu'il n'a jamais eu de hache. Moses Sitolé a dit qu'il n'a jamais eu de H. Que tout ce que l'inspecteur Moulovetzi a dit lors de son passage à la barre des témoins était faux. Qu'il a fait tout cela, qu'il a témoigné contre lui par jalousie et parce qu'il veut le voir derrière les barreaux à vie. Voilà maintenant que le 3 décembre 1996, une vidéo a été projetée devant la Cour suprême de Pretoria. Quand Dieu veut te vendre moins cher, franchement, il le fait correctement. Et même si la vidéo n'était du tout pas de bonne qualité, on pouvait voir et entendre Moses Sitolé en prison décrit comment il a tué ses femmes. Je voulais plutôt dire qu'on pouvait le voir et l'entendre parler des femmes qu'il l'avait tuées. C'est cette bande audiovisuelle qui l'a condamné. Je suis sûr et certain que vous allez me demander comment est-ce que cette vidéo-là, comment est-ce que cette bande audiovisuelle a été réalisée. Eh bien, laissez-moi vous dire que la bande audiovisuelle a été réalisée après son arrestation par Charles Schwemann. J'espère sincèrement que j'ai bel et bien prononcé son nom. La bande audiovisuelle n'a pas seulement été réalisée par Charles Schwemann, elle a également été réalisée par Jacques Roguet et par Marc Alligan. Tous ces hommes-là étaient des co-détenus de Sitolé. Laissez-moi vous dire qu'il l'avait enregistrée partant du principe qu'elle serait vendue et que sa part des bénéfices serait reversée à sa fille. Pendant l'interview, pendant qu'il était filmé par ses co-détenus, personnellement, je ne sais même pas où ses co-détenus ont trouvé un appareil pour le filmer. C'est un mystère jusqu'à aujourd'hui. Mais de toutes les façons, pendant l'interview, Moses Sitolé a admis 29 meurtres et a déclaré qu'il ne savait du tout pas d'où venaient les 9 autres
étrange meurtre que la police lui a collé sur la peau. Bien évidemment, la bande audiovisuelle a fait scandale. Les gens se sont posé des questions. Les gens se sont demandé comment les prisonniers ont fait pour mettre la main sur une caméra. Personnellement, je vais vous épargner tout le tohu-bohu qu'a fait cette vidéo. Je vais également vous épargner tout le tohu-bohu qu'a suivi après, de tout ce qui s'en est suivi de janvier à juillet 1996. Je vous ai bien dit que le procès de Moses Sithole a été le plus long procès, a été le procès le plus coûteux et le procès le plus intéressant de tous les procès sud-africains. Laissez-moi vous dire que le 15 août 1997, l'État a classé le dossier Moses Sithole. Ce procès avait déjà pris beaucoup d'argent. Le procès de Moses Sithole a coûté à l'État 229 500 dollars. L'État a estimé que c'en était déjà de trop. Et en plus de cela, son procès avait déjà duré plus d'un an. Ce jour, c'est-à-dire ce 15 août 1997, la défense a envoyé Sithole à la barre. Maintenant, devinez quoi? Sithole va tout nier en bloc. Il va dire qu'il ne sait rien, qu'il n'a jamais rien fait, que tout ce qu'il a dit auparavant dans ses aveux et que toutes les scènes de crime qu'il avait auparavant signalées lui avaient été rapportées par la police, que c'est la police qui lui avait demandé d'endosser la responsabilité de tous ses crimes, que la police l'avait menacé et intimidé pour qu'il puisse tout avouer, qu'il est blanc plus que la laine, qu'il est blanc plus que la neige, que son deuxième nom était Blanche-Neige, ou je voulais plutôt dire que son deuxième nom était Moses Sithole Neige. Et maintenant, de toutes les 84 charges qui pesaient sur lui, laissez-moi vous dire que Sithole a juste avoué un seul, l'abus sexuel sur Lindiwe Kosi, la petite sœur de Sibongile Kosi. Vous le savez très bien, personne n'a cru en cette version-là. Et voilà que le 4 décembre 1997, le juge David Kerr-Lewis a rendu son jugement, a rendu son verdict sur l'affaire Moses Sithole. Le 4 décembre 1997, après un procès épuisant, le verdict tombe. Moses Sithole est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il aura fallu 3 heures pour lire tout le verdict. Et pendant sa lecture, Sithole griffonnait des notes sur son bloc-notes. Il agissait comme si de rien n'était, exactement comme s'il était spectateur de son propre procès. À la fin de la lecture, il a rassemblé ses documents et a quitté la salle comme si de rien n'était, avec le sourire aux lèvres. Le lendemain, donc le 5 décembre, il retourne à l'audience pour le prononcé de sa peine. Le juge Kerr-Lewis l'a condamné à un total de 2410 ans de prison, dont 12 ans pour chacun des 40 victimes, 50 ans pour chacun des 38 meurtres et de 5 ans pour chacun des 6 victimes. Si vous comptez, ça fait pas mal d'années de prison. Le bon côté pour Sithole, car il faut toujours voir le côté positif des choses, c'est qu'il sera éligible à la libération conditionnelle au bout de 930 ans. Oui, je sais, c'est précis. Le juge a déclaré également qu'il n'aurait eu aucune hésitation pour la peine de mort si cela n'avait pas été aboli 2 ans auparavant, en 1995. Donc aucune possibilité de libération conditionnelle pendant 930 ans, si et seulement si il est immortel, un vampire qui vivrait jusqu'à cet âge. Et on a déjà vu que c'était une poupée Chucky. Sithole, qui a écouté la lecture de sa peine sans aucune émotion, a été emmené à CIMAX, une section de sécurité maximale de la prison centrale de Pretoria et le bloc cellulaire le plus sécurisé d'Afrique du Sud. Donc aucune possibilité d'évasion. Dans cette section, chaque détenu a droit à 1 heure par jour hors de sa cellule et à au moins 3 visites par mois. Le bon côté pour Sithole, c'est que sa santé est désormais meilleure, meilleure qu'elle ne l'était au moment du procès, grâce aux excellents soins médicaux qu'il a reçus à la prison, et gratuitement. Ce qui n'est clairement pas le cas pour sa femme et sa fille. Pour tenter d'expliquer et non pas de justifier le comportement du serial killer, il faut bien évidemment remonter à son enfance. Et on sait que le tueur a manqué d'une figure paternelle durant cette enfance. Et on sait que le décès d'un parent ne s'arrête pas seulement à la perte de cette personne, mais comprend également de nombreuses pertes ultérieures. Moses a non seulement perdu la présence physique d'un père, mais perd aussi tous les rôles qu'un père se doit de jouer dans la vie de son fils. L'âge de l'enfant peut également avoir un impact sur la manière dont il réagit. On sait que Moïse avait 5 ans lorsqu'il a perdu son père, et à cet âge-là, on sait qu'un enfant n'a aucune compréhension du temps ou de la mort, en général. Et il croit souvent que la personne décédée vit. Par conséquent, il est possible que Moïse n'ait même pas compris que son père était décédé
et ai juste compris que son père l'avait abandonné. Et on sait que l'abandon fait partie des 5 blessures de l'âme. Je vous invite à lire ce livre de Lise Bourbeau, en tout cas c'est mon cas. Et il y a 5 blessures de l'âme, dont l'abandon, mais également l'injustice, le rejet, l'humiliation, la trahison. Eh bien, Moïse s'est senti à la fois trahi, abandonné, rejeté par son père, qui était absent. Et comment est-ce que l'enfant va gérer à un si jeune âge un abandon? Eh bien, il va croire tout simplement que c'est sa faute. Et le fait d'avoir été abandonné par ce père-là. Et il y a aussi eu un impact dû à l'abandon de sa mère. Donc les crimes ultérieurs vont être impactés par ça. Car oui, peu de temps après avoir été abandonné par ce père qui meurt à son jeune âge, il est abandonné également par sa mère. Ici, nous avons donc un enfant de 5 ans, témoin de personnes qui étaient censées le protéger. Ici, nous avons un enfant de 5 ans qui est abandonné par des personnes censées le protéger. Il est donc compréhensible que Moïse, à ce moment-là, se soit senti rejeté et en colère. Cependant, cette colère s'est traduite par une haine des femmes, leur meurtre et leur viol. Malheureusement. On parle souvent en psychologie du matricide déplacé, c'est-à-dire le fait de tuer des femmes à la place de sa mère, mais inconsciemment. Mais évidemment, me diriez-vous, aucun frère et sœur de Moïse n'a grandi et est devenu également un tueur en série. Donc comment expliquer tout ça? Eh bien tout simplement, il y a les facteurs environnementaux qui peuvent jouer, mais bien évidemment la personnalité de l'enfant qui va jouer. Donc une personnalité qui lui était propre, et il était différent de ses frères et sœurs. Il y a aussi une variété de facteurs personnels qui peuvent jouer. L'aspect important, bien évidemment, c'est l'âge auquel les frères et sœurs ont été abandonnés, et Moïse avait 5 ans. À 5 ans, on est dans une phase de développement cognitif, qui pourrait être très fortement influencée par ce facteur environnemental qui a été l'abandon de son père et de sa mère. Moïse a également subi des abus de la part des soignants, et du coup, une personnalité dangereuse a été activée du fait des facteurs environnementaux et de tout ce qu'il a subi par la suite. Pendant son incarcération pour agression sexuelle, il se fait également lui-même agresser en prison, sexuellement par d'autres détenus. Donc il se peut qu'il ait été affecté également psychologiquement. Donc il aura également été fortement impacté par cette agression. Après une enfance plutôt traumatisante, le fait de tuer, de violer ces femmes-là était une manière pour lui de reprendre le contrôle d'une vie qui lui échappait. Et ce, depuis son enfance. Et ce contrôle de sa propre vie nous est enlevé lorsqu'on est victime. Mais lorsqu'on revêt le manteau du bourreau, comme ce qu'a fait Moïse, eh bien, c'était sa manière à lui de reprendre contrôle de sa vie, bien évidemment, pas de la meilleure des façons. Son traumatisme a donc entraîné la gravité de ses crimes. Un analyste a dit également que le fait d'étrangler ses victimes avec leurs propres sous-vêtements était une façon de rejeter la faute sur eux. Le fait d'appeler les familles des victimes et leur raconter tous les détails des meurtres montre également un certain sadisme chez Moïse, un sadisme grandissant qui n'était pas seulement satisfait pleinement par ses meurtres, il avait aussi besoin, afin de satisfaire pleinement ce sadisme, d'appeler les familles des victimes et de leur infliger ces détails horribles. Il prenait plaisir en effet à assister à la destruction de ses cellules familiales. Il est possible également qu'il ait voulu transférer sa propre douleur de son enfance sur les familles des victimes afin de s'en débarrasser. On voit également que Moïse était assez charmeur parce qu'il prétendait être un homme d'affaires à ses victimes. Donc il a ce trait de personnalité narcissique qu'ont toutes les personnalités antisociales ou psychopathiques. Et cette personnalité charmeuse l'aidait à les isoler pour mieux les agresser. En les rendant vulnérables, son travail est facilité. Et Moïse était un homme intelligent qui savait manipuler et affaiblir les gens psychologiquement. My dear Bécha, my dear lovely Bécha, c'est tout pour cette vidéo. Je peux vous dire que j'ai souffert. Je peux vous dire que Nathalie Kat a souffert. Je peux vous dire avec certitude que c'est un projet qui date de depuis 2022. Laissez-moi aussi vous dire que Nathalie m'a envoyé ses rushs en décembre 2022. Et moi, je me suis décidé en avril 2023. S'il vous plaît, je vais vous exhorter à faire un tour sur la chaîne YouTube de Nathalie Kat. Oh my lovely goodness, qu'est-ce que je viens de faire là, s'il vous plaît? Est-ce que je viens de prononcer le nom de Nathalie Kat en Bamoun? C'est un truc de fou, n'est-ce pas? Nathalie, s'il te plaît, je t'aime très très fort. Je vous en supplie une fois de plus, allez lui apporter tout votre soutien. Je peux vous dire sans langue de bois que j'adore Nathalie Kat. Et si je l'adore, Nathalie, vous allez forcément l'adorer. Je
n'adore pas seulement sa personnalité, j'adore aussi son travail. Tout comme moi, elle apporte un plus sur YouTube et surtout dans le true crime. Maintenant, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous demander d'écrire en commentaire The ABC Killer. C'est ici que je vais voir qui est fan de ce que je fais. C'est ici que je vais voir qui est fan, qui aime bien ce que je fais. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Quand je dis vous a plu, je parle dans le sens si on l'a bien relaté. Si vous vous êtes senti comme chevaux en fait. Si vous vous êtes plongé dans la vidéo. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir en commentaire. De toutes les façons, vous allez me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air. Vous allez aussi partager cette vidéo pour que tout le monde sache qu'ici on fait du très bon boulot. Mais aussi pour que notre communauté continue à s'agrandir. De toutes les façons, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Mais avant mes béchats, revenez par ici. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.